I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, tout se passe bien pour moi. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo, un peu comme tous les autres vidéos. Sauf qu'aujourd'hui, bon, comme vous avez vu, je ne suis pas chez moi. J'ai été invité en fait, quelque part, en fait. Là où, un endroit là où j'étais invité, je ne vous dis pas le jour que je suis. Je vous dis juste que, bon, voilà, c'est un jour exceptionnel. Et puis, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter, avant de commencer la vidéo, et vous laisser savourer cette nouvelle vidéo, comme vous avez vu dans la description. Et je vais vous présenter une amie aussi, un pote, enfin, on va dire un camarade, si vous voulez, parce que je rigole, parce que je ne peux pas vous dire autre chose, c'est une surprise. Et pour ceux qui me connaissent et qui connaissent la personne, elle est sur YouTube. Et je vous mets le lien de, bon, le nom de sa chaîne YouTube qui se marque en bas de la vidéo. Et puis, voilà, je vous présente cette personne qui fait des belles vidéos, de bonne qualité, qui fait vraiment rigoler. Et aujourd'hui, pour commencer la vidéo, avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter un jeune homme. Jeune homme, venez. Un jeune homme, je ne sais pas où il est, le jeune homme, il va certainement arriver dans la vidéo. Jeune homme. Je pense qu'il doit être pas loin, le youtubeur, c'est un youtubeur de bonne qualité, il va arriver. Jeune homme. Il doit arriver sûrement. Ah, voilà, voilà. Voilà, c'est un jeune homme de bonne qualité qui vient. Bon, enfin, c'est un monsieur, hein. Monsieur. Moi, Libérateur TV. Voilà. Voilà, c'est un monsieur en fait qui fait des belles vidéos, des vidéos de bonne qualité, il fait beaucoup rire. Je vous incite quand même à aller voir sa chaîne et voir exactement ce qu'il fait, etc. C'est quelqu'un qui est beaucoup rigolo. Bon, là, c'est les petits-enfants qui sont en train, parce que ce monsieur est père de famille, comme je peux vous le dire. Et voilà, je vous incite à aller voir sa chaîne YouTube et voir ce qu'il fait rigoler, il fait beaucoup rigoler. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter pour cette vidéo. Et puis je vous laisse savourer la vidéo qui passe aujourd'hui. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Tchuss. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. Je le répéterai à vous le dire, que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez bien repris les cours et les travails pour certains, que tout se passe bien pour vous. Moi tout se passe bien, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo, aujourd'hui de dégustation, comme vous avez vu sur la description et dans le titre, que vous avez bien vu dans le titre, que je suis allé en fait à McDonald's un peu manger et puis j'ai voulu changer un peu parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé puis après j'étais fatigué, je me suis dit bon je vais changer un peu, je vais faire un peu McDonald's, un petit repas tranquille. C'est pas, j'ai pas pris plein comme vous avez vu dans une de mes vidéos, plein de cheese, un truc comme ça, non, j'en ai pris qu'un, j'ai pris juste un seul cheese, un truc simple, là, sympa, tranquille, pas trop casser la tête. Et puis voilà, je vous laisse découvrir la vidéo là où je veux commencer à manger. Là, je mange tranquillement ma dégustation tranquillement de McDonald's. J'ai pris un McFlurry avec un Pepsi, non, pas un Pepsi que je veux dire, et une limonade. Bon, on va dire c'est un Sprite en fait. Excusez-moi, j'ai pris un petit Sprite avec mes petits frites tranquille parce que je savais pas trop quoi manger aujourd'hui. Alors, du coup, j'ai fait ça. Puis voilà, je vais déguster tranquille, je vais vous montrer ça déjà, ce que je mange là vite fait. Et puis voilà, c'est une nouvelle vidéo assez tranquille, aujourd'hui simple. Comme vous avez vu la vidéo de Tacos, je remercie à tous les gens qui ont mis un like sur la vidéo de Tacos. Et je vous rappelle que je referai une autre vidéo de Tacos, mais je ne vous dis pas quand, c'est la surprise. Là aujourd'hui, c'est une petite vidéo tranquille de McDonald's, parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos de McDonald's.
Parce que c'est vrai que entre McDo et tacos, je mange un peu plus tacos, j'aime plus tacos que McDonald's. Après, bon, il y a d'autres endroits que j'aime bien manger chinois, comme vous avez vu dans la vidéo, dans une de mes vidéos. Voilà, du coup, je vais manger tranquillement. Bon, je vais vous montrer mon petit sandwich, hein, un sandwich de bonne qualité, je précise bien. Enfin, là, je dis la vérité, c'est pas de bonne qualité, hein. Là, je vous dis comme ça. Mais c'est pas très de bonne qualité, parce que regardez, c'est un sandwich, en fait, c'est un cheese aux omelettes que j'ai pris. Mais il est pas très très beau, hein, regardez. Il est pas très très beau, le cheese aux omelettes. Bon, pour moi, il est pas. On va dire, il est peut-être mangeable, mais il est pas très très beau, en fait. Regardez, il est comme ça. Après, dedans, je vous montre comment c'est dedans. C'est pas terrible, hein, franchement. Regardez, on voit la petite tranche d'omelette. Il n'est pas très très beau celui-là. Hein. J'en ai pris des meilleurs que celui-là, mais celui-là, il n'est pas très très beau. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez comment c'est le pain. Il est bizarre leur pain. Hein. J'ai pris meilleur, mais là aujourd'hui, je sais pas. Je voulais pas me casser la tête. J'ai pris ça à manger, mais c'est pas très très beau. Après, à voir à la dégustation ce que ça donne, mais bon. J'en prends un aujourd'hui, peut-être que une des prochaines vidéos, j'en prendrai plusieurs. Mais là, c'est pas le top. Bon, du coup, j'en ai pris deux que je déguste tranquillement. Regardez, là, je vais commencer celui-là, je vais manger. Puis, voilà, je vais vous dire ce que j'en pense du produit. Je vais vous dire une chose déjà, ce qui est sûr, les cheese aux omelettes, ça refait pas un tacos à l'escalope, à tout ce que vous voulez, ça refait pas un tacos. Hein. Bah, après, si vous en prenez plusieurs, c'est bon, on va dire, c'est bon quand t'as faim, vite fait, tout ça, mais c'est pour pas se casser la tête, mais c'est pas ce qu'il y a le plus bon, franchement. Je vous conseille, si vous avez vraiment faim, mangez-vous un bon tacos. C'est beaucoup plus mieux dans la garniture, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la garniture. Il y a les scallops, ce que vous voulez, ce que vous mettez, ce que. C'est plus bon qu'un cheese aux omelettes, ça c'est sûr. Du coup, voilà, je voulais juste vous dire ça, que c'est très bon. Ça, moi, je connaissais pas cette espèce de sandwich qu'il y a à McDonald's. Et du coup, j'ai mangé, en fait, des amis m'ont fait goûter ça, et du coup, j'ai aimé. Et maintenant, je commence à en prendre. Je pense que je ferai une vidéo, là, j'en prendrai 5 ou quoi, mais là aujourd'hui j'étais pas très motivé, parce que comme j'ai beaucoup mangé aussi au travail, la cuisine, comme je vous ai dit, je suis cuisinier, je mange beaucoup souvent au travail, ça m'arrive, et du coup voilà, c'est pour ça que voilà, j'en ai pris un peu, j'en ai pris deux là, histoire de manger, parce que j'avais un peu faim, je savais pas quoi manger aujourd'hui. Ça arrive quand on sait pas quoi manger, de se prendre des petits trucs comme des McDonald's, etc. et tout. Mais ça va, il est bon, il est mangeable. Mais bon, quand on prend un peu, ça passe, mais c'est mieux le taco, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai déjà fait une vidéo de tacos, du coup, je me suis dit, je vais changer un peu, quoi. Mais ça va, il est bon quand même, hein. Il s'est mangeable parce que je le mange. Et ça se finit très vite, ça. Hein. Voilà, et puis là je suis en train de préparer mon ketchup et ma mayonnaise, et puis pour manger ma petite frite, hein, une frite de bonne qualité, hein. Elle est bien chaude, dégustante. C'est très bon, si, c'est très bon. J'aime toujours les frites, comme tous les frites, hein. Et pour ceux qui les amateurs de McDo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de McDo. Et si vous en voulez une dans pas très longtemps, si vous voulez que je refasse une la même exactement, avec peut-être plus de cheese aux omelettes. En fait, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ça, bon, je les appelle les cheese aux omelettes, mais c'est très très bon. Voilà, je suis en train de finir mes frites. C'est vrai qu'un McDo ne refait pas un tacos. Hein. Pour moi, j'ai vite fait la différence.
Mais quand tu prends un grand sandwich, ça peut le faire, mais bon. C'est très très bon. Ben, c'est mangeable, c'est logique, c'est mangeable. Bon, là, je vais manger finir mon petit cheese de bonne qualité. Et mon Sprite de bonne qualité. J'aime bien me prendre du Sprite. Il est tout frais et tout. C'est très bon le Sprite. J'ai pas pris de. Excusez-moi. J'ai pas pris de trucs à suer. Voilà, bon. Si ma bouche elle est sale. Bon appétit à vous, hein, si vous me regardez manger éventuellement. Et après, en dernier, il y a ma petite glace. McFlurry, j'arrive pas à le dire. McFlurry, laisse tomber si je sais pas le dire. M&M's Caramel, regardez, bonne qualité. Je sais pas si vous voyez un peu bien. Il y a l'M&M's. L'M&M's qui dit bonjour au caramel. Bon, il est un peu fondu, puisque comme je suis allé le prendre il y a quelques temps de là. Je vous laisse regarder. Voilà, on voit un peu vite fait. Bon, ça fond un peu, ça a un peu fondu. Je vais le remettre au frais. Et puis voilà, je vais le finir tranquillement. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à me demander si vous voulez une autre vidéo de McDonald's. Parce que c'est vrai que j'en ai pas fait, je pense que j'en ai pas fait plus que des vidéos de tacos. Des vidéos de tacos, il y en a un peu plus que des vidéos de McDonald's dans ma chaîne. Et je tenais aussi à faire un coucou à des amis qui se reconnaîtront. Et des gens qui me regardent, qui regardent cette vidéo et toi qui regardes la vidéo. Comme que j'étais au téléphone avec mon ami... Un des camarades du travail qui s'appelle Sylvain. Et une dédicace aussi à Philippe Garcia. Je précise bien Monsieur Philippe, un des collègues qui me fera rigoler. Une dédicace aussi à Madame Ayette. Une dédicace à mon ami Charles. J'espère que tu bois toujours du maté. Et une dédicace à tous ceux qui me connaissent. Émilie, après, il y en a plein. Aussi à Vincent qui est du Var aussi, qui vient souvent à Lyon avec des grosses voitures aussi. Je ferai peut-être une vidéo avec Vincent. Une dédicace à Vincent parce qu'il me conseille pour ma chaîne aussi. Je te remercie pour tous les conseils que tu donnes pour ma chaîne. Et puis une dédicace à tous ceux qui me reconnaissent et puis voilà. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bon, je vais pas durer longtemps. Je voulais juste vous montrer une nouvelle vidéo en fait de McDonald's, puisque en fait je mange pas beaucoup McDonald's et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo un peu de McDo tranquille et puis voilà quoi. Bon, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui ne sera pas de dégustation malheureusement, mais qui sera une autre vidéo. Je vous dis pas, c'est la surprise. Salut les amis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous si c'est possible. Salut. Ah, c'est bien beau, McDo. Ah, c'est bon cette histoire. Ah là là. C'est très très bon, McDo. Ah, je me régale. Les gens, ils appellent quand je mange. Ça, j'aime pas. Ils aiment trop appeler quand je mange. Qu'est-ce qu'il y a?
Ok. Laissez-moi manger tranquillement un peu. Il faut que je mange. Ah mince, j'ai oublié de. Excusez-moi, j'ai oublié de. N'importe quoi, moi. Ça m'arrive de faire ça, moi. Bon, salut les amis.